Earth, the origin of our ancestors. A century had passed since they discovered the Eve Gate, a wormhole, passage to a remote corner of the universe. New Eden. It was the largest colonization effort in the history of man. The mass settlement of hundreds of strange new worlds. We thought nothing could stop us. After the Eve Gate collapsed, countless colonies perished. The scattered survivors forgot the old world. Fragments of mankind, light years apart, lost contact. Thousands of dark years passed until humanity rose again to be with the stars. In different corners of New Eden, great empires had evolved. Four different faces of humanity. When they clashed, the wars were merciless. Out of the years of conflict, a new kind of human emerged. One capable of immortal life. To transform into this rare breed, we pay the ultimate price. At the moment of death, our mind is transferred to a fresh clone. We have become immortal. In the sky, we reach farther. On the ground, we strike harder. The empires are losing their grasp on power. And as our age begins to dawn, they will learn to fear us. Tous, ici Lagoon Company. Alors bienvenue sur cette deuxième vidéo sur EVE Online. Et comme vous avez pu voir précédemment, petite introduction pour vous mettre dans le bain de ce qui se passe dans ce jeu. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Et bien on va parler surtout des factions. Oui, des factions, parce que combien même le choix de faction de départ ne va pas vraiment influencer sur le long terme votre gameplay. C'est quand même important d'avoir une petite idée de quelle faction vous voulez employer, puisqu'il y a aussi des différences de gameplay entre les factions. Il peut y avoir des avantages comme des inconvénients à commencer par telle ou telle faction. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors premièrement je vais parler de l'Empire Amar. Alors l'Empire Amar, c'est une faction surtout de fanatiques religieux qui emploient l'esclavagisme. Et ouais, ils se considèrent entre guillemets comme les plus puissants dans l'univers de Eve. Et cela se ressent quand même dans le design de leurs vaisseaux, qui sont tous enfin en or, beaucoup de décorations en or et tout. Donc ils sont assez avancés technologiquement, et puis
À l'époque, enfin avant les événements de Ève aujourd'hui, ils avaient asservi le peuple Minmintar. Ensuite, je vais vous parler bien, voilà, des Minmintar. Alors les Minmintar, la République Minmintar, c'était des anciens esclaves de la faction Amar qui ont réussi à proclamer leur indépendance lorsque justement l'Empire Amar a décidé de se battre contre une faction non jouable, c'est le directorat Jove, je crois, et ils ont perdu le combat. Et Minmatar en ont profité pour et bien pour proclamer leur indépendance. Donc, les Minmatar, eux, ils se disons que ils s'organisent comme en tribu, et cela se ressent quand même pas mal dans leur culture, et puis aussi étant donné que c'est une faction assez jeune, leur vaisseau se base sur des bouts de. Enfin, c'est assez rustique quand même. Leurs vaisseaux sont assez rustiques comparés aux autres factions. Ensuite, on va parler de leurs alliés, la Fédération Galent, qui est extrêmement démocratique. Et on sent aussi que leur culture a un peu d'éteint dans un peu toutes les autres, puisque ils sont les plus prolifiques en termes de divertissement. Culturellement parlant, on va dire que ils ont la volonté très démocratique, comme chez les Français et les États-Unis, mais aussi de propager leur culture au-delà de leurs frontières en proposant toutes sortes de produits de luxe. Et souvent les autres races considèrent l'espace Galent comme un havre de paix, enfin pas forcément de paix, mais disons que c'est ici qu'on pourrait y trouver le meilleur comme le pire. Ensuite, on va parler enfin de l'État Kaldari. Alors l'État Kaldari, en fait, c'est un amas de méga corporations. En fait, il n'y a pas vraiment de gouvernement central, mais ils sont extrêmement totalitaires, et ils excellent surtout dans le capitalisme sans limite, et le militarisme aussi. C'est-à-dire que c'est une faction très militarisée qui n'hésite pas à faire la guerre pour leurs propres intérêts. Donc, en gros, on a voilà les quatre factions jouables. Et dans chaque faction, il y a trois types de lignées. Et chaque lignée comporte aussi leurs petites histoires. Mais en gros, ça se résume avec une lignée qui est combattante, une lignée qui sera plutôt axée vers l'exploration, et une autre lignée qui sera plutôt de type industriel, commerce, leadership. Donc voilà, on a déjà résumé les trois lignées et les quatre factions disponibles pour les joueurs, pour commencer. Et à l'ordre du jour, au niveau de l'histoire de EVE Online, on peut dire que j'avais parlé du directorat Jove, qui est une race extrêmement avancée dans EVE Online. On peut estimer qu'aujourd'hui ils sont au bord de l'extinction, voire complètement éteints, puisque aujourd'hui il y a, comment dire, un nouvel arc dans l'histoire de Eve qui fait que les Drifters, c'est une nouvelle race qui est apparue, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, qui sont apparus et qui ont des similitudes avec les Joves, mais ils n'ont pas les mêmes particularités. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, on n'a pas réussi à communiquer avec eux. Ça, c'est dans l'histoire, hein. Donc, on peut estimer que les Joves ont complètement disparu, ils sont tous morts, et puis maintenant, ça marque un tournant dans l'histoire de Eve. On ne sait pas trop comment ça va s'enquiller tout ça, mais c'est assez intéressant à savoir. Donc, je vous conseille de lire les wikis, hein. Il y a beaucoup d'informations. Malheureusement, c'est en anglais, mais je suis sûr qu'un jour quelqu'un fera la traduction. Donc, maintenant, on va parler des factions de départ, c'est-à-dire il y a des factions qui sont préférables d'utiliser, enfin de commencer avec, puisque chaque faction en fait a une spécificité.
spécificités en termes de vaisseaux et d'armement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de tanking. Il y a le tanking bouclier et le tanking armure. Et il y a quatre types d'armement. Il y a, enfin, plutôt deux types d'armement avec un type d'armement avec trois sous-catégories et un autre type d'armement avec une seule catégorie. Donc, la première catégorie d'armement, enfin, de type d'armement, ce sont les tourelles. Les tourelles avec trois sous-catégories qui sont les lasers, les tourelles hybrides et les tourelles à projectiles. Et chaque catégorie a sa race propre. Par exemple, pour les tourelles laser, c'est la faction Amar qui sera entièrement spécialisée dans cette tourelle. Les autres races n'auront pas de bonus par rapport aux tourelles laser. Les tourelles hybrides, ce serait plutôt les Galent et les Caldari. Ils ont des bonus dans ce type d'armement. Et pour les tourelles à projectiles, c'est surtout les mines Mintar qui seront entièrement spécialisées dans ce type de tourelles. Et il y a une autre catégorie d'armement qui est très très utilisée par l'État Caldari, c'est-à-dire les missiles. On peut les retrouver vaguement sur les vaisseaux mines Mintar et très rarement sur les vaisseaux Amar. Donc on peut carrément considérer que c'est surtout les Caldari qui maîtrisent ce type d'armement. Donc pourquoi je vous conseille de bien choisir votre faction? Eh bien tout simplement parce que déjà les vaisseaux Galente et Minmatar, ils ont une difficulté à tanker les dégâts dans le sens où en fait ils n'ont pas vraiment de bonus et pas vraiment de malus en termes de résistance aux dégâts. C'est-à-dire qu'ils ne tankent soit ils tankent armure, soit ils tankent bouclier, c'est à vous de choisir. Mais du coup vous n'aurez pas tous les bonus que pourraient offrir par exemple des vaisseaux Amar ou des vaisseaux Caldari en termes de tanking. Et c'est pour cela que je conseille souvent les joueurs de... Ah, tiens, les aléas du direct, voilà, hein, la petite poupoune, hein, fait coucou à la caméra. Donc c'est pour ça que je conseille souvent aux joueurs de commencer soit Caldari, soit Amar, même si sur le long terme vous pourrez éventuellement changer d'orientation, mais comme ça au moins lorsque vous commencerez, eh bien vous aurez déjà les skills, les compétences liées à votre faction et à vos vaisseaux qui sont déjà disponibles. Peut-être pas à un niveau très avancé, mais c'est déjà un gain de temps. Et puis dans ce jeu, EVE Online, le temps c'est de l'argent. Donc voilà. Donc comme je disais, il vaut mieux commencer à Caldari ou Amar, puisqu'ils sont déjà spécialisés dans un type de tanking et aussi un type d'armement assez spécifique en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, là je voulais en venir. Ce que vous voulez faire, et eh bien si vous voulez faire du PvE, honnêtement, partez sur Caldari, parce que leur armement, qui est très spécialisé en missiles, est très adapté en fait au PvE, comparé aux Amar qui déjà ont un spectre de dégâts. Les lasers en fait ne tapent pas dans tous les types de dégâts en fait. Je m'expliquerai un peu plus tard. Et qui plus est, les lasers, ils consomment énormément en énergie. Et le capacitor, c'est la vie. Si vous avez plus de capacitor, ça va être très difficile de survivre. Et c'est ça le problème de la faction Amar. Donc, est-ce que je vais faire... Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est de présenter les différents types de tanking, leurs avantages et inconvénients. Donc on a le tanking armor qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal le tanking armor parce que si vous voulez, elle a beaucoup de résistance de base, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup de modules pour augmenter vos résistances. À chaque fois qu'un vaisseau ennemi vous touchera, et eh bien vous allez absorber peut-être 50 voire 70% des dommages qu'il vous infligera avec du tanking armor. Le désavantage, l'inconvénient,
C'est que premièrement, à chaque fois que vous allez activer des modules de soins, des modules de réparation, eh bien, le soin sera effectif à la fin du cycle. C'est-à-dire que quand vous activez votre module, eh bien, ce sera seulement à la fin de ce cycle que vous allez récupérer des points de vie. Ce qui n'est pas le cas du Tanking Shield. Mais bon, il faut aussi ajouter au fait qu'en général, le Tanking Armor fait en sorte que les vaisseaux seront beaucoup plus lents que le Tanking Shield. On peut aussi rajouter à cela que malgré ça, il y a quand même un avantage, c'est que le Tanking Armor ne va pas augmenter votre signature radar. Donc vous allez être, même si vous êtes lent, vous allez quand même être plus difficile à toucher. Mais ça peut être assez difficile des fois de gérer en fait les modules de soins et votre tanking si vous prenez trop de dégâts et que vous n'avez pas eu le temps de compenser avec vos modules de réparation. Vous pouvez être en face de plusieurs déconvenues. Non, maintenant je vais vous parler du tanking shield, du tanking bouclier, qui est assez spécial aussi. Parmi les avantages du tanking bouclier, c'est qu'elle a une régénération passive qui peut être plus ou moins rapide en fonction du vaisseau que vous allez employer, mais aussi des modules que vous allez équiper. Il faut aussi savoir que les modules de soins sont beaucoup plus efficaces que les modules de soins en tanking armure. Et il faut aussi savoir que les vaisseaux qui tankent Shield seront un peu plus rapides. Mais la contrepartie, c'est que la signature radar sera beaucoup plus grande. Donc vous allez vous faire toucher plus souvent, même si vous êtes plus rapide. Et c'est aussi un des inconvénients. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi du tanking Shield? Oui, et les résistances de base sont beaucoup plus faibles. Donc du coup, vous allez mettre beaucoup plus de modules de résistance pour justement compenser les dégâts que vous allez subir. Et ça peut être un peu plus difficile à équiper, mais sur le long terme, enfin, c'est mon avis personnel, je trouve que le Tanky Shield est beaucoup plus facile à gérer, à maîtriser que le Tanking Armor. Ça, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce qu'il y a encore à savoir? Ah oui, au niveau de la régénération lorsque vous activez vos modules, c'est au moment où vous activez que vous allez récupérer vos points de vie au niveau du bouclier. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre que le cycle soit fini pour que les points de vie reviennent. Donc ça, c'est un avantage qui est indéniable, surtout lorsque vous faites du overheat, c'est-à-dire lorsque vous surchauffez vos modules. Qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant? Alors là, j'ai déjà passé en revue les différents tankings. Comme je l'ai dit précédemment, il faut savoir que les Minmatar et les Galettes n'ont pas vraiment de bonus en termes de tanking pur. Et c'est pour ça que je déconseille les nouveaux joueurs de commencer Galent, ou tout du moins si vous voulez avoir un personnage Galent et que vous voulez vous orienter vers d'autres types de vaisseaux, que je vous conseille d'ailleurs. Il faut savoir que les Galent sont beaucoup plus difficiles. Les Minmatar, peut-être un peu moins, mais je trouve que les Galent sont beaucoup plus difficiles à tanker que les vaisseaux Kaldari ou Amar. Ensuite, il faut aussi savoir que l'armement est très important dans l'orientation de votre style de jeu. C'est-à-dire, par exemple, comme j'ai dit précédemment, les missiles c'était parfait pour le PvE parce que, en fonction des missiles que vous utilisez, vous allez appliquer un certain type de dommages sur les ennemis. Et vu que certains NPC sont plus faibles dans tel ou tel type de dégâts, eh bien il suffira juste de voir sur des sites comme F-Survival et connaître exactement quelle faction contre laquelle vous allez combattre et quel genre de type de dégâts vous allez pouvoir employer pour gagner, quoi. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les missiles sont très très peu utilisés en PvP. On va dire que si vous utilisez des petits vaisseaux, ça peut être
un avantage indéniable parce que les missiles ils toucheront toujours votre cible. Les missiles toucheront toujours votre cible, quoi qu'il arrive, qu'elle soit grosse, petite. Il faut juste être à bonne distance, c'est-à-dire il ne faut pas excéder en fait la distance que le missile peut parcourir en temps de secondes. Imaginons que mon missile parcourt, on va dire, 10 secondes à 300 mètres seconde, ça fait qu'il va faire 3 km en tout. Donc si je ne suis pas à 3 km, eh bien en gros, hein, mon missile va disparaître, il va pas continuer sa route. L'inconvénient des missiles, c'est que déjà de 1, ils mettent du temps en fait déjà à parcourir leur cible et ensuite à appliquer les dégâts. C'est ça le vrai inconvénient des missiles. En plus, ils peuvent aussi être détruits par des systèmes de contre-mesure. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pas là, là n'est pas la question. Ce que vous devez savoir, c'est que les missiles ne sont pas vraiment adaptés au PVP. Et qui plus est, encore plus lorsque vous allez utiliser des vaisseaux de plus grande taille. Donc, si c'est des vaisseaux de petite taille, ça passera, mais ça passera beaucoup moins que les tourelles en PVP, puisqu'elles ont un DPS beaucoup plus grand. Donc, si vous voulez commencer par du PVE, les missiles, c'est parfait, c'est assez simple d'utilisation, hein, faut le dire. Le seul inconvénient, enfin l'autre inconvénient majeur, c'est aussi que c'est un arbre de compétences qui est spécifique, c'est-à-dire que les compétences que vous allez employer pour les tourelles sont rétroactives comparées aux missiles qui ne le sont pas. Par exemple, pour les tourelles, j'ai une compétence qui me permettra de tirer plus rapidement. Eh bien, cette compétence, elle va s'appliquer à tous les types de tourelles. Alors que les missiles, j'aurai une compétence qui me permettra de tirer plus rapidement avec les missiles, mais ça ne marchera pas avec les tourelles. Donc, c'est un arbre de compétences qui est complètement à part par rapport aux tourelles. Ça, il faut avoir ça en tête lorsque vous allez faire peut-être du cross-training. Et il faut avoir ça en tête, comme si vous ne voulez pas perdre de temps, en fait. Ensuite, les tourelles. Ben voilà, il va falloir parler un peu des tourelles parce que déjà les missiles c'est beaucoup, mais les tourelles c'est encore pire. Donc les tourelles, chaque faction a sa spécialité dans une tourelle en particulier. Par exemple, voilà les Hamars, c'est les lasers. On va parler un peu des lasers d'ailleurs parce que c'est quand même très important de souligner que les lasers en fait ne consomment pas de munitions. Elles utilisent des lentilles qui se dégradent avec le temps, c'est-à-dire à chaque fois que vous utilisez cette lentille, elle va se dégrader et jusqu'à ce qu'elle se détruise. Et ces lentilles, en fait, lorsque vous les équipez, eh bien, vont influencer votre DPS et aussi la distance d'engagement. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une lentille qui sera spécialisée dans les engagements à très courte distance, mais qui aura un DPS beaucoup plus grand qu'une lentille à longue distance et qui aura un DPS beaucoup plus faible. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne quand vous choisissez vos lentilles. En général, vous prenez toutes les lentilles et puis de toute façon, lorsque vous les interchangez, c'est quasi instantané. Donc déjà, de 1, ça prend pas beaucoup de place et puis c'est assez souple. Donc c'est ça l'avantage en fait des lasers. Le principal inconvénient, c'est que ça bouffera votre énergie en un rien de temps. C'est vraiment ça le problème des tourelles laser. Et déjà avoir géré son énergie, c'est tout un art dans ce jeu, hein. Je sais que c'est pas très probant comme ça parce que j'ai pas de vidéo de gameplay à vous mettre sous la main, mais je ferai des petites vidéos comme ça un peu plus détaillées un peu plus tard. Là pour l'instant j'ai pas trop le temps, hein, j'aimerais déjà parler de théorie et ensuite on va passer à la pratique. Donc ça c'était pour les tourelles laser, c'est un gros problème au niveau de l'énergie du capacitor.
parce que si vous n'avez plus de capacitor, premièrement, vous ne pourrez plus tirer, vous ne pourrez plus utiliser vos modules de tanking et de soins, et vous ne pourrez plus non plus vous téléporter. Enfin, c'est pas téléporter, ce serait plutôt vous déplacer d'un point A à un point B. C'est-à-dire lorsque vous voulez quitter une zone de combat, et bien si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas la quitter cette zone. Et c'est très important d'avoir ça en tête, surtout dans EVE Online. Si vous n'avez plus d'énergie, en gros, vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà le problème, le plus gros problème des Amar. Et c'est pour ça que même si les Amar sont une faction viable comme faction de départ, je la déconseillerais, on va dire, pour les néophytes qui ont déjà du mal à essayer d'avoir assez de capacitor pour justement tirer et puis gérer leur tanking. Donc ensuite on a quoi comme tourelle? On a les tourelles hybrides. En fait ce sont des tourelles qui utilisent à la fois des munitions et à la fois de l'énergie pour projeter la munition. Et les tourelles hybrides, elles consomment moins d'énergie, moins de courant, mais en contrepartie, elles consomment des munitions. Et ces munitions, eh bien, pareil comme pour les lentilles, elles permettent d'avoir des distances d'engagement et un DPS plus ou moins important en fonction de la distance. C'est-à-dire plus c'est éloigné, moins ça fera de dégâts, mais au moins vous pouvez tirer de très loin. Et plus vous serez prêt, plus vous allez faire des dégâts, mais en contrepartie, voilà, il y aura le désavantage de la distance. Ça, c'est pour les tourelles hybrides. Ensuite, on a les tourelles à projectiles qui sont la spécialité des Midmatar. Donc, elles ne consomment pas de courant, juste des munitions. Et l'avantage des tourelles à projectiles, c'est qu'elles peuvent taper dans les quatre types de dégâts qui existent dans ce jeu, c'est-à-dire électromagnétique, thermique, kinétique et explosif. Donc il faut savoir que chaque couche de protection a des résistances et c'est pour cela qu'en armure par exemple on a des résistances plus importantes qu'en shield, en bouclier. Donc on peut prendre ça en considération parce qu'en PvE, voire en PvP, le fait de pouvoir taper dans tous les types de dégâts en changeant juste de munitions, ça permet de prendre à contre-pied son adversaire qui n'aurait pas de très bonne résistance, par exemple, dans tel type de dégâts. Et là, vous risquez de lui faire très très mal, même si le DPS des tourelles est beaucoup moins tourelles projectiles est beaucoup moins important que les deux autres types de tourelles mentionné auparavant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tourelles à projectiles auront tendance à toucher beaucoup plus que les deux autres tourelles. C'est difficile à illustrer mon propos, mais disons que en fait, c'est des tourelles qui ne font pas beaucoup de dégâts, mais qui toucheront quand même à n'importe quelle distance. Évidemment, il y aura une distance optimale pour faire le coup critique, hein, c'est le coup le plus puissant que la tourelle pourra sortir, mais même si vous n'êtes pas à la bonne distance, vous allez quand même toucher et faire des dégâts. Donc c'est déjà plutôt pas mal. C'est pour ça que les tourelles à projectiles, elles se rapprochent pas mal des missiles. Mais on va dire que c'est un plus adapté pour faire du PVP que du PVE, puisque de toute façon en PVE vous aurez le temps d'être à bonne distance, et alors qu'en PVP c'est plus difficile en fait de prévoir l'action de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore au niveau des tourelles? Ben, je pense que j'ai à peu près tout dit. Rien qu'en cela, eh bien, le tanking et l'armement devraient plus ou moins orienter votre choix en fonction de ce que vous voulez faire, hein, PVP ou PVE. Hein, ça c'est à vous de voir. Mais si vous êtes vraiment nouveau, moi personnellement, je vous conseille Kaldari. Au moins, vous aurez une approche, pas dire simpliste, mais
ce sera une approche un peu plus facile en termes de d'apprentissage quand vous allez commencer à vous équiper. C'est un peu plus facile. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile de s'équiper en Kaldari que en Minmantar ou en Galente, et voire même en Amar. Hein. Et sur ce, eh bien, les prochaines vidéos sont consacrées plus sur du gameplay pur. Comme ça, je vais illustrer un peu tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de EXF, parce que je me base pas mal sur leurs informations pour faire mes vidéos. Et puis, il faut avouer que leurs guides sont quand même bien faits. Moi, je suis trop feignant pour vous faire un truc super bien détaillé, et puis ça prendrait des plombes. Là, ça fait déjà presque une demi-heure que je parle, et malheureusement, c'est quand même assez difficile d'illustrer les propos en ne faisant pas de gameplay. Et quand bien même je ferais un gameplay, ce serait assez difficile parce qu'il y a tellement de choses à mettre à mettre en avant, comme l'interface, et puis oh là là, il y a tellement de choses. Les prochaines vidéos sont vraiment bien consacrées sur le gameplay, sur l'interface, comment naviguer, et j'espère que ma vidéo m'a plu. Désolé pour les petits désagréments, mais j'ai vraiment la flemme de faire une vidéo extra propre et tout le tralala, hein. Et puis après, au moins, vous saurez que la petite mascotte est là pour m'accueillir la prochaine fois. Hein? Et sur ce, eh bien, je vous dis au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu, c'est ça? Un pouce bleu ou un pouce rouge, si vous avez aimé ou pas aimé, ça c'est à vous de voir. Hein? De toute façon, j'adore les critiques constructives, c'est pas de problème. D'ailleurs, je suis sûr qu'il doit y en avoir pas mal. Puis bah sur ce, bah à la prochaine, hein. Allez, salut!